lesquels nous avons démenti publiquement et nous avons dit que la priorité, c'était de nous concentrer sur le concert. Maintenant, on ne va pas rentrer dans ce jeu ou dans... Je ne sais pas... Maintenant, mais vous, quelle sera la suite? J'ai une question. Oui. Est-ce que sans que nous nous appelle pour rien, il faut avoir. Si on peut au moins me répondre ça, c'est dans le communiqué. Oui, mais dans le communiqué, c'est qu'on a essayé, on a tout dit dans le communiqué. Excusez-moi. Faut que je veux dire quelque chose. Je pense que ça va répondre à plusieurs personnes ont posé la même question. C'est en mode, ouais, dis-nous quelque chose et ça finira pas. C'est comme ça. Ce que je veux dire, s'il y a un truc et que ma maison de production sort, un communiqué, sachez que derrière, c'est ma réponse en fait. C'est la maison de production, c'est comme ça se passe en production en Mozambique, c'est votre maison de production. Parle parce que c'est un truc qui n'appelle pas que moi, mais la maison de production aussi. Donc nous avons notre réponse par rapport à vos inquiétudes est qu'on a sorti un communiqué. Allez vers le communiqué si. Il y a les détails qu'on peut donner, on a donné dans le communiqué, donc je pense que ça répond tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là pour le concert, nous sommes concentrés que sur ce concert. Désolé si vous voulez quelque chose de nous qu'on ne peut pas satisfaire, mais on n'a pas d'autre choix, c'est le communiqué. S'il vous plaît, allez vers ce communiqué. Et à tout, dans la maison de production, allez à réagir dessus. Ce n'est pas un sujet sur lequel nous voulons nous attarder et vous donner une réponse pour que ça parte en truc là. Je pense que toutes les réponses sont là-bas. Nous avons des priorités au fait et les enjeux sont énormes pour ce genre de situation. C'est que c'est les détails qui. C'est tout ce que nous voulons dire dessus. C'est quand on a fait un démenti. Maintenant, je ne comprends pas en fait. Si on fait un démenti. Alors, je poursuis avec Kelabine Lorenzo qui parlait par rapport au stade. On n'a pas mis d'accent sur le nom éventuellement du stade qu'on prévoit faire. Je laisse la place. Oui, par rapport au stade, c'est plus compliqué. Mais on aura souhaité Kégé ou l'Omnisport. Mais nous sommes en train d'étudier le projet toujours. Tout dépendra des passés qui vont nous accompagner. Si on a un bon partenaire, on va à Kégé. Si c'est moyen, on fait l'Omnisport. Maintenant, si c'est le même, on va se le dire. Alors, par rapport au pass, vous avez posé une question par rapport au pass. J'avoue que par rapport au truc, je pense qu'il y a peut-être eu une confirmation. Par rapport à quand le gouvernement a sorti, ils sont des communiqués, ils ont trouvé des solutions à tous ces cas-là. C'est ce que nous allons respecter comme producteurs. En fait, c'est ce que nous allons. Donc, la façon dont ces gens font pour avoir accès aux événements ou à avoir accès aux endroits dont il faut respecter les mesures ou les passes ou les trucs là pour entrer. Donc, c'est le même truc qu'on va respecter. Exactement. C'est pas qu'on va faire un truc qui ne se fait pas pour pouvoir interdire l'accès à la salle à quelqu'un. Moi, je pense pas qu'il y aurait une théorie. C'est ça. J'espère que c'est un peu plus. L'émission a dit. L'émission a dit. S'il vous plaît. Moi, je veux qu'on soit vraiment. Qu'on soit les citoyens. Ouais. C'est le premier concert de notre artiste, ouais. Notre confrère. Toi qui parles à la place de l'artiste. Non, moi je voudrais qu'on les artistes aussi. C'est une fête d'indépendance quand même. C'est ouvert pour tout le monde. Ouais. Ouais. Cette soirée de base, on ouais. Laisse ça. Moi je ne sais pas tuer le concert. Moi je ne sais pas en mon concert. Parce que le chargé la com a dit clairement. Oui, mais c'est bon. Maintenant. Moi, j'ai posé une question simple. Ouais. Je dis, la communication par rapport à l'événement a commencé depuis quelques jours. Ouais. La liste des points d'achat du ticket a été publiée depuis quelques jours. Ouais. Mais c'est seulement ce matin que moi, j'apprends que c'est comme ça. Donc, je vais vous expliquer. C'est pour cela que je me disais que si on rentre dans les détails, ça va être une infinie. Parce que dans le dernier communiqué actualisé du gouvernement, effectivement, il y a une notion de passe, mais il y a TSPCR, il y a d'autres dispositions qui ont été prises. Voilà. Donc, en voulant t'expliquer, c'est là qu'il a dit qu'on n'interdit pas la salle au non-vacciné. Parce qu'il se pourrait que le non-vacciné ait son TSPCR. Et il se pourrait qu'il y ait des mesures. Et à n'importe quel moment, les deux peuvent aussi. Sur les visuels, les mesures barrières ont été. Non, voilà, comme on a accepté. Et puis, je rappelle que quand j'ai dit que l'accès ne sera pas non interdit, voilà,
j'ai rajouté justement cet aspect que le DGA vient de dire, que justement cette personne-là auront peut-être leur PCR, leur test PCR, etc. Donc la procédure normale pour que les salles soient complètes, nous allons la faire. Je pense qu'on évolue du coup, on doit quitter la salle. Je dis pas ça, je crois. Mais c'est à cause de vos amis. Vos amis, hein, comme on dit. La réduction. Donc rapidement, par rapport à la ponctualité de M. Narcisse Abodjan. Ok, M. Narcisse Abodjan, je ne sais pas si vous venez à nos événements, mais je vois le concert, ça finit plus tard à 23h. Un événement massal, 23h, c'est fini. Vous commencez à quelle heure? Quelle que soit l'heure, on débute, ça finit à 23h. C'est qu'on commence au plus tard à 21h. Au plus tard. Ceux qui sont venus au concert, c'est qu'on a une chronologie qu'on respecte, parce qu'on sait qu'on est conscient qu'on a un public des fois très jeune, des gens viennent avec leurs enfants et autres, ou des fois c'est les adolescents. Donc on se dit qu'on doit finir à 23h. Ceux qui sont venus au premier conseil, ils ont vu, on a fini à 23h. Malgré la pluie, les inconvénients, tout ça. Oui. Alors, okay. Alors, deuxième question du Alfri, c'est est-ce que les albums vous seront disponibles dans la salle pour vendre éventuellement Oui, effectivement, nous aurons l'album et ceux qui voudront s'en procurer, pourront s'en procurer. Surtout au niveau de l'espace VIP. On va faire une exposition, une expansion. Digitalisation, oui, par rapport à la digitalisation, oui, effectivement, nous avons pensé à ça. Et dans l'avenir, on va essayer d'avoir un site internet qui se charge de ça. Malheureusement, c'est un peu compliqué cet enseignement. C'est pour cela qu'on a pensé à la formule Google. Et vu qu'avec le ticket physique, les gens seront peut-être plus rassurés. Parce qu'il faut un système de contrôle digital à l'entrée aussi. Un dispositif peut-être que nous n'avons pas encore, ou que nous ne les avons pas fait. Alors, quels sont les autres activités face à vous? Le projet Sentinels est notre premier projet, c'est notre projet test. Et dès que ça sera établi, on va effectivement nous lancer en prenant des artistes. Et il faut croiser, il faut nous pousser. Donc c'est l'artiste qui l'a. Oui, c'est l'artiste. On se voit tous les jours d'avril ensemble.